que 19 ans tu as déjà l'estomac. Patrick t'a rendu la vie difficile. Quelqu'un qui ne t'a pas même pas donné un coca dans ta famille, même une gilette. Et tu vas mourir. Et Patrick, vraiment, mon sang, Patrick. Patrick n'a pas cocaté. Patrick n'a pas coufa. Yo, donc, nom de Jésus. Tes parents n'ont même pas bu, même pas pris. C'est pas possible. Et vous voyez des jeunes filles comme ça. Tu t'enfermes à la maison de la chambre. Dieu nous accorde la miséricorde. Amen. Il y a 19 ans, tu plais. Gardez votre âme de soucis. Écoutez-moi très bien. Vous ne pouvez pas construire avec des gens qui vous quittent. Vous ne pouvez que construire avec des gens qui sont avec vous. Si quelqu'un te quitte, c'était la fin de sa mission dans ta vie. Fais à cette personne, au revoir, bayo. Alléluia. Il y a aussi le ministère de revoir et de bayo. On ne peut rien faire avec des gens qui nous abandonnent. Construisez avec des personnes qui vous acceptent. Si tu as des soucis et des inquiétudes, ça détruit, ça paralyse la destinée. Regardez un jeune homme de 17 ans. Il avait une destinée de libérer des familles. Satan voulait me détruire à 17 ans à travers un souci. Si je m'étais donné la mort à cette époque, qui allait vous prêcher aujourd'hui? Qui allait libérer des familles? Faites attention, mes bien-aimés. Les hommes, il y en aura. Les femmes, il y en aura. Les affaires, il y en aura. Ne te détruis pas à cause de quelque chose. Qui m'a dit amen?